Alors donc la formation Scrum très basique qui repose sur lisons le Scrum Guide ensemble parce que pour moi ça reste globalement la référence de enfin en tout cas une très bonne introduction et il y a vraiment l'essentiel des réponses qui sont dedans. Alors le Scrum Guide, qui c'est le Scrum? Donc le Scrum hein, c'est vieux, là on est sur une édition assez récente, celle de l'année dernière en anglais. Les traductions françaises ont généralement au moins un an de retard. La dernière française n'est pas encore sortie, je crois. Donc ça, moi je suis plutôt sur la version anglaise, au moins on est sur la dernière version. Donc nous avons Jeff Sutherland et Ken Schwaber, donc qui sont les deux personnes derrière Scrum. Alors sachant qu'il y en a un qui est derrière la Scrum Alliance plutôt quelque chose où on fait des formations, on paye très cher, on a 2 jours avec des prêts fantastiques par des gens très connus, et à la fin d'un papier. De l'autre côté, Ken Schwaber plus Scrum.org. Là, plus bon, faut travailler, faut remplir un QCM, on a quand même l'impression d'avoir quelque chose et on paye un peu moins cher. Voilà, donc il y a un mindset un peu différent. Bon, après ça, c'est le. Voilà, Scrum, c'est aussi un business, comme toutes les certifs, comme toutes les ISO, les machins, les bidules. Mais ce qui est cool, c'est qu'en soi, le Scrum Guide, lui, est gratuit. Et n'importe qui peut télécharger le Scrum Guide, le lire, faire ce qui est écrit dedans et faire du Scrum sans rien demander à personne. Après, on peut se faire certifier, on peut être formé si on veut. Enfin, ça, c'est une partie optionnelle, la partie business. Et alors, du coup, pour démarrer, on va commencer avec un peu de folklore. Vous avez peut-être déjà entendu parler, la fable du cochon et du poulet. Donc, la fable du cochon et du poulet, voilà, c'est. On a un cochon, un poulet. Et le poulet, il va voir le cochon, il dit hey cochon, franchement, faudrait trop qu'on ouvre un restaurant. Et ce serait quoi alors? Eh ben, donc, reste le boui-boui typique américain, voilà, bacon frit sur le plat. Le petit déj typique. Le cochon, il réfléchit, il dit bah, non merci, parce que moi, le cochon, il serait complètement engagé. En fait, littéralement, il mettrait une partie de lui-même, il mettrait du bacon dans la poêle. Alors que le poulet, il s'impliquerait, voilà, il prend des œufs, il les balance en l'air. Et cette distinction, donc, on va la retrouver dans Scrum, c'est cette idée-là de, en fait, on a une équipe et on a des gens autour. Et on a, voilà, on a les cochons et on a les poulets. Hop là. Donc effectivement, on a l'équipe. Cette équipe-là, elle a des enjeux qui l'engagent, hein. Elle est là pour faire quelque chose, pour accomplir des choses. Et de cette même manière, cette équipe, elle a des moyens, ou elle met en place des moyens pour accomplir ses enjeux. Et ça va vraiment être au cœur de Scrum. C'est que on a un alignement entre ce qu'on lui demande et comment on la laisse s'organiser pour y arriver. Et voilà. Et on peut tracer une ligne autour. Ça, c'est les cochons, en dehors, c'est les poulets. C'est-à-dire que ceux qui sont dans l'équipe, ils ont leur job à perdre, entre guillemets. Le projet se plante, il n'y a plus d'équipe, il n'y a plus de projet, on n'a plus besoin d'eux. Le directeur de département, des projets, il en a plein. Il y en a un qui se plante, bah, il se rattrapera sur les autres. Il n'a pas la même. Bien sûr que le projet est important pour lui, mais il n'a pas le même niveau d'enjeu et du coup d'implication Il n'a pas autant à perdre, donc pas autant à mettre dedans. C'était pour le parti un peu folklore. Donc du coup, on va juste faire le tour du Scrum Guide en mode accéléré. On va pas lire ensemble chaque paragraphe. Bon, donc la table des matières, on va pas la lire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que Scrum? Donc Scrum, c'est un framework de travail, donc qui est décrit par ses créateurs comme étant léger. Bon, il y a encore plus léger, mais globalement, voilà, le manuel, et ça fait 17 pages. C'est pas, non, 17 pages écrit gros, hein, ça se maîtrise bien. Il est facile à comprendre. Effectivement, on a lu le manuel, on comprend, on est OK, très bien, on voit ce qu'il faut faire. Par contre, difficile à maîtriser. Une fois qu'on est dans l'action, ah là, il y a plein de subtilités qui apparaissent et c'est pas si simple. C'est ça qui est une dichotomie assez intéressante, on va aussi le retrouver pas mal quand on parle de l'agilité. On est tous d'accord, on lit le manifeste agile, on est tous d'accord. Mais comment on fait en pratique?
Donc c'est pour ça. Donc le Scrum Guide, très bien pour démarrer. Après, une fois qu'on est dedans, bah là, il y a beaucoup de littérature et plein de choses pour creuser divers sujets. Par exemple, tout ce qui est planification, roadmap, typiquement des sujets où il y a énormément de manières de faire différentes. Et voilà. Et donc c'est. Donc maintenant, ça a quand même plus de 20 ans, encore une fois. Donc c'est une bonne entrée en matière, mais une équipe mature, c'est bien aussi de prendre du recul par rapport à comment elle pratique les choses et pas forcément faire du Scrum by the Book. Mais c'est déjà très bien de commencer par ça, d'être exhaustif sur comment on fait Scrum. C'est quand même une très bonne base. Alors bon, on va avancer. Alors la théorie de Scrum, c'est l'empirisme. On est sur des domaines où on peut pas tout prévoir en avance. Voilà, on peut pas dire en avance, le process ça va être ça, je mets ça en entrée, j'ai ça en sortie. Donc du coup, ce qui va vraiment être au cœur, c'est cette idée de faire du développement incrémental, itératif. Et là du coup, on va aller sur les trois éléments de Scrum, la transparence, l'inspection et l'adaptation. Donc on a Scrum qui est là. Donc on imagine bien, voilà, on a la baie vitrée de l'open space. Voilà, et tout le monde peut voir ce qui se passe. Ça, c'est le premier élément, c'est la transparence. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que derrière, on va le retrouver à tous les éléments. On va le retrouver dans les backlogs. Les backlogs doivent être librement accessibles, librement compréhensibles par tout le monde. On va voir le definition of done, dire qu'on est clair sur quand on a terminé quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire. C'est le contrat de base pour qu'on se comprenne, en fait. Et puis on va aussi avoir des process qui sont partagés. La manière dont on travaille, on le fait aussi en toute transparence. C'est pas un truc qui est sous le tapis. Donc à côté de ça, donc on va avoir le deuxième pilier qui va être l'inspection. Ah, j'ai fait très mal. Voilà, donc là, du coup là, c'est le moment où il faut que je dessine des jumelles. Tac. Et qui très vite va forcément se cumuler avec l'adaptation. Donc, hop, paf, je fais ma clé à molette de ouf. Voilà. Bon, ça doit vous parler. L'inspection, à le retrouver à tous les niveaux, notamment la revue d'itération et l'adaptation, notamment en rétro. Mais en fait, on le retrouve dans tous les rituels. Le daily stand-up, ben, on en est où par rapport à hier? Et qu'est-ce qu'on fait demain? On est en fait sur cette mini-boucle d'inspection et d'adaptation. Voilà, donc c'est ce que je disais. Donc ça, on va le retrouver dans tous les rituels. Donc les rituels, hein, on va les redétailler un peu plus loin, mais donc planification de sprint, le stand-up quotidien, la revue d'itération et la rétrospective. Alors, les valeurs de Scrum, ça c'est quelque chose qui est très important, qui est depuis ce dernier Scrum Guide, je crois. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce que juste on a une checklist de faire, en l'occurrence le Scrum Guide, et on fait tout et on est bon soldat? Ou est-ce qu'en fait il y a un état d'esprit derrière et c'est ça en fait qu'on respecte? Et c'est important parce que toute méthode, si on se contente juste de la respecter sans vraiment avoir l'esprit derrière, on va finir par la dévoyer et faire d'autres trucs à côté. Et c'est important aussi parce que en fait, toute cette liste d'artefacts et de rituels ou autres qui ont été construits, c'est pas anodin. Derrière, il y a une raison pour laquelle on a tout ça. Scrum, il y a quand même un gros focus sur tout ce qui est planification, ce qui est pas forcément le plus agile. Mais ça a été fait d'une telle manière qu'on va le retrouver dans tous les éléments. En fait, ce côté négatif renforce le tout finalement parce qu'il y a justement un tout qui marche ensemble. Et donc quand on fait un rituel, quand on fait une manière de faire, faut voir pourquoi on le fait. Voilà, et c'est les esprits qui comptent. Et donc du coup, les valeurs de Scrum, donc on a commitment, voilà, l'équipe, elle est là pour faire quelque chose. Et ouais, on y va, et on le tente, et on s'engage, à défaut de le faire, à donner notre maximum pour y arriver. Voilà. Le courage, on a le courage de tenter des trucs différents, on a le courage d'être transparent, c'est une forme de courage quand même, on montre à tout le monde comment on travaille, on se met un peu tout nu face au monde. Focus, ça c'est. On a une chose à faire, on est dessus, on se concentre. Ça c'est la valeur que je préfère vraiment. Une équipe qui marche, elle a qu'un seul focus. Elle est vraiment tout le temps dessus. Dès lors qu'elle doit gérer plusieurs choses,
ça devient très compliqué et c'est le début des embrouilles. Et l'ouverture et le respect, bah, parce que on est comme une équipe, les gens ils vont travailler ensemble, donc c'est un peu la base. Il faut qu'il y ait du respect, mais du coup l'ouverture et ces deux-là marchent un peu ensemble. Dans l'équipe et aussi à l'extérieur. Voilà. Encore une fois, on montre tout ce qu'on a fait. Si l'organisation n'a pas de respect pour l'équipe, ça va être compliqué pour l'équipe de s'organiser. Si l'équipe n'a aucun respect pour l'organisation, ça va être compliqué aussi, etc. Alors l'équipe Scrum, donc on a, en fait, on a deux niveaux dans l'équipe. On va avoir l'équipe de développement. Donc ce qu'on appelle les développeurs, c'est un terme générique. En soi, ce ne sont pas forcément que des développeurs dans le sens des gens qui codent. Hein. Ça peut être aussi des testeurs, des designers, etc. Mais voilà, le terme est générique développeur parce que, juste pour avoir un terme global et pas utiliser le terme ressource qui est très péjoratif, mais il y a cette idée-là que bien sûr qu'on a plusieurs compétences dans l'équipe et l'équipe a le droit de se répartir les tâches entre elles d'une certaine manière. Dans tous les cas, c'est l'ensemble de l'équipe qui donne des comptes. S'ils prennent le choix de dire on a un testeur dans l'équipe, il n'y a que lui qui teste, très bien. Par contre, s'il teste mal, c'est le problème, c'est la responsabilité de tout le monde. Et donc à côté de ça, on va avoir, donc ça c'est un premier niveau, c'est l'équipe de développement. Et donc pas mal de rituels, on va avoir la différence. On va dire équipe de développement, on ne va pas dire équipe Scrum. Parce que du coup, à côté de ça, on a bien entendu les rôles que vous connaissez, du Product Owner, le Scrum Master. Voilà. Et donc tout ça, effectivement, ça c'est l'équipe Scrum. Et donc la différence, elle est importante. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est une équipe auto-organisée. Mais une équipe auto-organisée, c'est une équipe de développement auto-organisée. Sous-entendu, ni le PO, ni le Scrum Master est chef de cette équipe et dit comment ça s'organise. Le Daily Stand-Up, c'est pour l'équipe de développement. Le PO n'a pas à venir. Après, il peut venir, mais en tout cas, il n'est pas là en participant à dire on fait ci, on fait ça, etc. Une fois, c'est l'équipe qui s'auto-organise. On va faire le tour des rôles. Donc, ce qui est important, c'est que quand même le Product Owner, donc lui, c'est celui qui va dire le quoi et pas le comment. Donc, ça revient sur ce que je dis. Le comment. Comment l'itération se déroule, comment se font le Daily Stand-Up, etc. Comment le board même est organisé, le board d'itération, bah, tout ça, c'est que des outils pour l'équipe de développement et elle s'organise comme elle l'entend. Après, effectivement, où est-ce qu'on veut aller? Là, c'est le rôle du Product Owner. Et le Scrum Master, bah, évidemment, ce n'est pas un chef. Il va être là pour challenger l'équipe, l'aider à devenir justement auto-organisé. Mais en aucun cas il arrive là en prescripteur à dire qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise. Voilà, et donc du coup les éléments qui vont être vraiment importants, c'est le côté auto-organisé et aussi le côté cross-functional, multidisciplinaire on pourrait dire en français. Donc encore une fois, l'équipe s'organise d'elle-même. C'est vraiment l'idée de base que les meilleures manières de faire viennent de ceux qui font. Donc venir en disant on va s'organiser comme ça, c'est contre-productif. Et multidisciplinaire, bah, c'est ce qu'on veut. C'est là cette équipe, on leur donne une mission. Donc ils s'organisent comme ils veulent pour l'atteindre. Il faut aussi qu'ils soient en mesure de la faire. Donc il faut que toutes les compétences nécessaires soient dans l'équipe. Sinon on rentre dans des problèmes de blocage qui n'en finissent pas et on peut pas faire un vrai Scrum et toutes les deux pages du Scrum Guide, on va se dire « Ah ouais, mais moi j'y arrive pas, c'est compliqué, mais si, mais machin, mais déjà l'hypothèse de base, est-ce que tu as toutes les ressources qui sont dans ton équipe ou est-ce que tu passes ton quotidien à être en blocage avec une autre équipe ?» Donc forcément, si c'est la deuxième option, bah tu vas galérer à faire ton Scrum. Donc voilà, bah, du coup j'ai déjà pas mal parcouru les choses. Development Team Size, on a même un paragraphe dédié à ça. Donc ce qu'ils disent, à moins de 3 personnes, en fait, il y a tellement peu d'interactions entre les personnes, bah, mettre Scrum, c'est overkill, en fait. T'as pas besoin de sortir toute une grosse méthode. Bah, tu les mets côte à côte, en fait, ils se parlent et ça y est, ça marche, quoi. Pas besoin de faire plus que ça. Et à l'inverse, plus de 9 membres, et je crois qu'avant c'était 7, parce que ça fait du coup 11 avec le PO et le Scrum Master, là, c'est beaucoup trop, puisqu'en gros,
C'est la même réflexion. Autant qu'à 3, il y a très peu d'interactions. Autant que plus on augmente des personnes, plus le nombre d'interactions est exponentiel. À 9, c'est monstrueux en fait. Donc à plus de 9, c'est. Donc je pense que ce nombre 9 est encore élevé parce que justement, quand on va dans une équipe multidisciplinaire, bah en fait, le compte, il monte vite. Hein. Si on a un dev front, un dev mobile, un dev back, un designer, un testeur, là je suis déjà à 5. Et puis peut-être qu'en fait, il faut peut-être deux fronts, deux mobiles. Enfin, il y a peut-être encore, il y a aussi peut-être un exploitant ou deux. Le 9, voilà, on peut y arriver juste pour avoir toutes les compétences en fait. Mais en gros, c'est ça. Donc le product owner, s'il fallait juste résumer son rôle, c'est maximiser la valeur du produit, maximiser la valeur de ce que sort l'équipe de développement. Voilà, c'est vraiment ça. Donc tout ce travail de backlog, de priorisation et même beaucoup plus large d'analyse de marché, d'analyse de besoins clients, d'interaction vraiment avec le client en fait. C'est vraiment ça sa mission. En l'occurrence, ce n'est pas faire la recette. La recette, l'équipe de développement doit sortir un truc qui marche. Donc du coup, on peut faire une liste. Ben voilà. Donc là, très terre à terre, il exprime le backlog, il les ordonnances pour atteindre au mieux les buts, la mission. On optimise la valeur du travail qui sort de l'équipe développement. Et puis, il s'assure que ce product backlog, évidemment, il est visible, il est transparent, il est clair pour tout le monde. Il montre clairement sur quoi va travailler l'équipe Scrum ensuite. Et puis, il s'assure bien que on se comprend. Que l'équipe développement comprend bien le contenu du backlog. Et au bon niveau. Voilà. Et ce qui est important, c'est quand même de bien se dire, le product owner, c'est une personne, ce n'est pas un comité. Il peut prendre des décisions tout seul. Sinon, le nom product owner n'est pas vraiment le product en fait. Voilà. Donc après, il peut représenter un comité de gens, mais c'est quand même lui qui prend des décisions. Et du coup, conclusion logique, il faut que l'organisation respecte ses décisions. Sinon, il pourra pas, il prendra pas de décision si ça sert à rien et si elle ne sert à rien. Voilà. Par contre, effectivement, il a aucun droit de dire à l'équipe de développement comment faire son travail. Alors, donc du coup, l'équipe de développement, encore une fois, l'auto-organisation. Et l'organisation autour leur donne les moyens pour qu'ils puissent y arriver, justement. De s'auto-organiser et de faire tout le nécessaire. Donc voilà, donc ils sont auto-organisés, personne, ni même pas le Scrum Master leur dit comment transformer cette partie backlog en un incrément. Donc l'incrément, c'est défini plus loin, c'est cette notion de produit concret implémenté qu'on a en plus. Donc elles sont multidisciplinaires, elles ont toutes les compétences nécessaires pour créer cet incrément. À l'intérieur de cette équipe, il n'y a aucun autre titre que développeur. Voilà. C'est-à-dire que peu importe comment ils s'organisent, c'est toute l'équipe qui est responsable de ce qui se passe. Voilà. Donc pour Scrum, il n'y a pas de sous-équipe dedans. Après, encore une fois, ils font ce qu'ils veulent dès lors qu'ils sont tous responsables. Donc la taille d'équipe, on en a parlé. Hop là. Et donc le Scrum Master, donc responsable de s'assurer qu'on comprend Scrum, qu'on l'applique bien. Y compris à la théorie, aux pratiques et aux règles qui sont derrière. Donc il a ce rôle de servant leader. Donc il est vraiment plus au service de l'équipe. Il a un côté leadership dans le sens on tire tout le monde vers le haut, mais pas dans le sens chef. Au contraire, il est là tout le temps pour servir, pour aider sur les choses. Voilà. Et donc du coup, lui, il sert un peu tout le monde. Il va aider le product owner à trouver des techniques qui l'aident à gérer son backlog, aider à trouver le moyen que ce soit clair, que tout le monde se comprend, comprendre ce que c'est que de faire de la gestion, de la planification de produits quand on est dans un environnement empirique. C'est pas forcément ce qu'on imagine spontanément. Tu vois, s'assurer que le product owner, il arrange bien le backlog, pour maximiser la valeur, que tout le monde comprend, pratique l'agilité, et il facilite les événements Scrum. Pas systématiquement. Il le fait quand on lui demande ou quand c'est un vrai besoin. Il n'est pas là, juste là pour animer toutes les réunions. Il est là quand il y a besoin d'un coup de pouce. Ce qui est logique, puisque le but, encore une fois, c'est de viser l'auto-organisation. Donc ça fait partie des choses, savoir mener une réunion sans facilitateur.
Donc, à l'équipe de développement, donc il coach l'équipe à s'auto-organiser, à être multidisciplinaire. Il aide l'équipe à créer des produits à haute valeur ajoutée. Il aide à enlever les points de blocage. Il facilite à nouveau les événements quand on a besoin de lui. Et il aide l'organisation en fait autour. Quand on est dans des environnements où Scrum n'est pas complètement adopté et compris, il y a plein de choses en fait qui vont tomber, qui sont pas sains sur l'équipe. Donc là, il va faciliter ça, en partie protéger l'équipe, en partie aider l'équipe à comprendre comment réagir à ces choses-là, etc. Et ça, effectivement, on arrive au troisième point, c'est que le Scrum Master aussi a un rôle à rendre à l'organisation. C'est-à-dire qu'il doit aider à mener une transition vers Scrum au niveau de l'organisation, voilà, l'adoption de Scrum. Donc planifier les implémentations de Scrum dans l'organisation, aider les employés, les parties prenantes à comprendre, à appliquer Scrum et la notion de développement empirique, faire les changements nécessaires qui augmenteront la productivité de l'équipe, parce que oui, parfois on a besoin de changements qui ne sont pas au niveau de l'équipe. Et un point assez intéressant, travailler avec les autres Scrum Masters pour augmenter l'efficacité et l'application de Scrum dans l'organisation. C'est-à-dire que déjà dans le Scrum Guide, on a déjà cette notion un peu de guilde ou autre que tous les Scrum Masters de l'organisation se tiennent la main et travaillent collectivement pour que l'organisation globale devienne Scrum. Donc les événements de Scrum, ces événements, on parle souvent de rituels, justement on les fait régulièrement pour pas vraiment avoir besoin de réunion, un truc, voilà, au moins on sait qu'on sait, on a prévu le temps. Et il y a aussi quelque chose qui est en filigrane, c'est que du coup, toutes les réunions étant bornées, finalement, le temps qu'on passe, par exemple, à planifier, qui en soi ne produit pas de valeur directement, la planification, il est borné en fait. C'est-à-dire que un manager peut pas vraiment arriver et dire, tiens, vous êtes encore en réunion. Non, franchement, on fait le Scrum Guide. Si tu veux, tu mesures, on compte le nombre d'heures, c'est pas plus de 10%, ce qui est un temps tout à fait normal en fait à passer en réunion, à préparer l'itération suivante, ainsi de suite. Donc c'est aussi un élément qu'on a pour l'adoption en fait. Donc du coup l'itération, comme tout le reste, est limitée dans le temps, time-boxed en anglais. En termes de durée, on est, voilà, ils disent pas plus d'un mois. Donc effectivement, aujourd'hui, ça semble très gros à un mois, mais effectivement, si on revient 20 ans en arrière, des projets où déjà faire du un mois, c'était déjà de l'itératif, quoi, par rapport à des releases d'un an ou deux. Maintenant, souvent, en général, l'industrie, on est plutôt sur 2 semaines. Parfois, dans des milieux où vraiment ça bouge beaucoup, on va plutôt passer 1 semaine. Mais c'est vrai que 2 semaines, ça marche globalement bien. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, comme tout le reste, ça peut être challengé. En rétro, de temps en temps, ça devrait sortir. Et si on essayait une durée différente de sprint? En soi, c'est pertinent. On a besoin d'être plus réactif ou peu importe. Donc du coup, cette notion de sprint, c'est que pendant ce sprint, on a un but d'itération et rien ne doit mettre en danger ce but d'itération. Les buts qu'on se donne en termes de qualité ne doivent sous aucun prétexte baisser. Parce qu'après, sinon, en fait, on va se construire la dette et en fait, on va être de plus en plus lent. Par contre, le scope de ce qu'on doit faire, finalement, la liste des user stories, elle peut être clarifiée, renégociée. Il n'y a pas de souci, en fait. Ce qui est important, c'est ce but. On se donne un but d'itération, on en parlera justement dans la planification. On a un but macro, quoi. Dans 2 semaines, on a un produit en prod, par exemple. Et peut-être qu'on pourra rogner sur quelques détails de story, parce qu'on atteindra notre but. Donc, on a un paragraphe, une section sur le fait qu'on peut annuler une itération. C'est l'idée, voilà, on peut se retrouver dans une situation où, en fait, l'itération, entre guillemets, elle sert plus à rien. On le sait. L'objectif, si c'est de faire une release, et il se trouve que la release, elle sert à rien. On a appris quelque chose sur le marché. Le goût, ça n'a rien terminé. Donc, on peut couper le sprint et on en démarre à nouveau. Ce qui, du coup, donne un certain mandat au fait de dire il y a une urgence en prod et du coup, on la traite à la place. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Mais attention, derrière, on arrête le sprint et on en refait un nouveau. C'est un truc qui est très traumatisant pour l'équipe et on veut que ce soit traumatisant. Il y a un coût qui va avec. Ça coûte cher de faire ça. Et tant que tout le monde est bien raccord là-dessus, il n'y a pas de problème. Il y a une vraie urgence.
Preuve en est, on est tous prêts à payer pour cette urgence. On arrête le dev pendant un mois parce qu'il faut traiter l'urgence. Fine, si on est tous raccord, allons-y. Après, le but, évidemment, n'est pas d'en faire tout le temps, sinon on n'avancera pas. La planification. Donc voilà, on voit en termes de durée, on est sur du 8 heures pour une itération d'un mois. Donc on imagine pour 2 semaines, on est sur du 4 heures. En général, c'est pas ça ce que font les équipes. Notamment parce qu'il y a tout un aspect grooming, refinement, qui est un peu séparé, qui est fait en amont. Là, on voit aussi un peu le mindset de Scrum tel qu'il avait été créé, en fait. On imagine, on fait un produit pour un client, par exemple, parce qu'on est une agence ou autre. Et en gros, ce client, on l'a sous la main qu'une seule fois par itération. Voilà. On fait notre sprint toutes les 2 semaines. Et ben, on a juste cette réunion où il vient. Et le reste du temps, on le voit pas, en fait. Donc, du coup, on se retrouve à, ouais, tout ce qui est planification, on le fait là parce qu'on veut maximiser ce temps avec cette personne parce que c'est elle qui détient les clés, en fait. Donc, c'est pour ça que ça peut être une réunion qui est assez longue. Mais après, en pratique, on avance à les découper et à la lisser. 4 heures sur 2 semaines, en comptant tout ce qui est préparation d'itération, c'est pas délirant. Donc, du coup, quand on est en sortie de réunion, qu'est-ce qu'on sait? Bah, c'est donc l'incrément, c'est-à-dire la liste de choses qu'on livrera en fin de sprint. À quoi on s'attend à ce qu'il y a dedans? Bon, genre, bah, c'est la liste des US, du coup, c'est ça ce qu'on définit. Et la deuxième chose, c'est comment on va s'y prendre pour justement transformer ces items de backlog en un incrément. Voilà. Donc, du coup, la première partie, elle est évidemment avec le product owner. C'est toute la Scrum team. Et donc, bah, on échange sur qu'est-ce qu'il faut faire, comment on y va et qu'est-ce qu'on prend. Et donc, du coup, souvent, on utilise le terme engagement qui était utilisé en fait dans les premiers Scrum Guides. Depuis quelques temps, c'est le terme forecast plutôt. Là, c'est un peu un changement de terme pour bien faire dire à l'organisation, au manager, c'est pas un engagement. Ils font leur maximum. C'est une prévision. On s'attend à ce que dans 2 semaines, il y ait ça. Mais il n'y a aucun engagement à ce que ça arrive. Et comment est-ce qu'on définit aussi ce scope de ce qu'on fait? Ben, c'est l'équipe qui dit ce qui passe pas, en tenant en compte des absences, de plein de choses, etc. Et donc, le deuxième élément, là, en fait, c'est ce que j'aime dire, le découpage en tâches techniques, en fait. On a fait un plan macro de l'itération. Maintenant, on va faire un plan plus micro. Okay, concrètement, enfin, en fait, sinon, le premier item, c'est même pas un plan, en fait. Voilà ce qu'on s'attend à voir dans 2 semaines. La deuxième partie, c'est quoi le plan pour y arriver? Donc là, donc en général, oui, c'est la notion de tâche technique. Qu'est-ce qu'on va lister exhaustivement ou le plus exhaustivement possible, tout ce qu'il faudra faire pour transformer, pour passer à done ces user stories? Donc là, pour cette partie-là, normalement, le product owner est, comment dire, on n'en a pas besoin dès lors qu'on change pas le scope, en fait. Après, on peut se retrouver dans une situation où, bah finalement, comme là, on va beaucoup plus dans le détail, ça ressort des choses et donc on a envie de refaire des allers-retours parce que bah peut-être qu'on peut faire des trade-offs, des compromis, en fait. Est-ce qu'il y a peut-être moyen d'être un peu moins ambitieux sur le fonctionnel parce que maintenant, on se rend compte que c'est super compliqué à implémenter, etc. Cette partie-là aussi, elle peut être longue parce que là, il y a une vraie recherche de concrètement comment on va s'y prendre, etc. Voilà, donc normalement, à la fin du sprint planning, l'équipe de développement doit pouvoir expliquer au product owner, au Scrum Master, comment, en tant qu'équipe auto-organisée, ils comptent y prendre pour atteindre le but de l'itération et créer l'incrément. Et on voit bien, le but, c'est le sprint goal. C'est pas la liste des user stories. Encore une fois, cette chose-là, elle est faite pour bouger, et c'est vrai aussi pour les tâches techniques. Un plan, voilà, en agile, un plan est fait pour être changé. Donc, on a oublié des tâches techniques, ben, c'est très bien, on les rajoutera. Il y en a qui servent plus à rien, ben, on les enlève. Alors, donc, on arrive du coup à l'objectif de sprint. Donc, ça qui est en fait un élément clé de la pratique de Scrum. Parce que finalement, qu'est-ce qui drive l'équipe à construire cet incrément et y arriver? Ben, il n'y a pas grand-chose, c'est de l'humain, en fait. Et de donner cet objectif, c'est vraiment ce qui va faire qu'on va juste pas être des gens qui abattent du boulot. Mais vraiment, là, il y a un objectif macro qui est sur la roadmap, qui est sur notre produit, qui apporte concrètement quelque chose à l'utilisateur. Et c'est ça qu'on veut. Et là, on a des discussions constructives dès lors sur est-ce qu'on pourrait faire ça autrement? C'est pas ce qu'on a mis dans le backlog, mais en fait, ça va pas le faire. C'est con, c'est compliqué, c'est chaud. On peut faire autrement et quand même atteindre l'objectif.
C'est vraiment l'objectif qui drive tout le monde et qui permet cette organisation. Il faut avoir, du coup, à tout au moment en tête, des listes stand-up. On est où par rapport à l'objectif d'itération? Le stand-up quotidien. Bon, ben, je pense que ça, vous le connaissez bien. Donc, limité à 15 minutes. Donc, c'est l'idée de, bah, qu'est-ce qu'on a fait pendant les dernières 24 heures? Qu'est-ce qu'on fait pendant les prochaines 24 heures? Donc, ce qui est important, les fameuses trois questions que vous devez bien connaître. Ça, depuis quelques Scrum Guides, c'est précisé. Hein, c'est qu'est-ce que j'ai fait hier qui a aidé l'équipe de développement à atteindre l'objectif? Mais non pas qu'est-ce que j'ai fait, je raconte pas ma vie. Je me focalise sur ce qui nous a atteint vers l'objectif. Parce que parfois, il y a des gens, ils sont transverses, ils font plein de choses à côté qui doivent être faites, et il n'y a pas de souci avec ça. Ou tu as réparé ta plomberie aussi. Mais ce qui compte, c'est quand même l'objectif d'itération. Et on le rabâche tout le temps, c'est ça qui compte. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va aider l'équipe de développement à atteindre l'objectif de sprint? Est-ce qu'il y a des points de blocage qui m'empêchent, moi ou l'équipe de développement, à atteindre l'objectif d'itération? Si c'est un truc qui. On s'en fiche en fait, si c'est juste un détail, j'installe pas, je galère à installer mon IDE, très bien, enfin. On n'est pas encore au stade où ça met en danger le sprint en fait. Et donc on est toujours sur cette réunion, c'est le moment aussi où on inspecte. Voilà comment on a progressé. Typiquement, un burn-down va servir à ça. Ben, on voit comment on avance. Et du coup, on s'adapte. Ah ben on voit qu'on n'avance pas comme on avait prévu. Est-ce que peut-être qu'on a démarré trop de stories, qu'il faudrait plutôt qu'on en finisse? Est-ce qu'on a mal prévu les absences, les compétences de chacun, etc. Du coup, est-ce qu'on peut réagir? Ça va pas le faire. Est-ce qu'on peut changer le scope de l'itération pour quand même atteindre l'objectif plutôt que de ne pas tout livrer et s'arrêter au milieu? Et ainsi de suite. Alors, le Scrum Master s'assure que l'équipe de développement fait la réunion, mais c'est elle qui est responsable du déroulé. Donc, le Scrum Master va apprendre à l'équipe de développement à le faire en moins de 15 minutes. Mais il est pas là pour le faire que ça arrive. Il est là pour aider les gens à faire que ça arrive. Donc le but, c'est d'enlever plein d'autres réunions, etc. Donc alors la revue d'itération. Donc là, on va revoir du coup ce qu'on a l'incrément. Voilà ce qu'on a fini. Donc, on va le regarder ensemble. C'est cool. On va se féliciter aussi. C'est bien. Et du coup, on va adapter le product backlog. C'est pour ça aussi que c'est une réunion qui est longue hein, sur le papier. Hein, parce qu'en vrai, c'est en cette réunion-là où on prend le product backlog et on le reprend complètement. On change toutes les priorités, on rajoute des choses parce qu'on a appris des choses entre-temps ou en le montrant au client, ça lui donne des idées. Donc on a découvert plein de choses. On a découvert qu'il y a plein de choses qui finalement n'étaient plus pertinentes ou moins pertinentes. On a découvert que d'autres le devenaient plus. Donc on met à jour le product backlog. Sous-entendu, du coup, ce n'est pas que le product owner. Product owner a toujours ce rôle de maximiser la valeur de ce backlog, mais c'est le product backlog de toute l'équipe Scrum. Voilà. Donc ça, c'est 4 heures pour des itérations d'un mois. Voilà. Bon, même si vous faites 2 heures, en général, on n'est pas sur 2 heures pour une itération. Donc les personnes qui viennent, c'est évidemment l'équipe Scrum et les parties prenantes qui ont invité le product owner. Le product owner, on voit, c'est très, très précis qui fait quoi hein, dans le Scrum Guide. Le product owner explique ce qui est done, ce qui n'est pas done. L'équipe de développement discute de ce qui s'est bien passé pendant le sprint, les problèmes qui ont été rencontrés, comment on a résolu ces problèmes. L'équipe de développement fait une démonstration de ce qui est done, répond aux questions sur l'incrément. Le product owner donc discute du backlog en l'état. Du coup, il a mis à jour les dates de fin, puisque voilà, donc on a fait ça de l'incrément. Maintenant, il ne nous reste que ça, donc il met à jour un burn-up ou autre, etc., pour montrer quand ça pourrait finir. Donc tout le groupe, y compris du coup les parties prenantes qui ont été invitées, collabore pour décider qu'est-ce qu'on fait ensuite. Du coup, la sprint review vraiment donne l'input du sprint planning qui sera après. On passe en revue les opportunités sur le marché pour le produit, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qui devient le plus important à faire. Et on fait aussi une revue de la timeline, du budget, des capacités potentielles, du marché, encore une fois, pour la prochaine release. On est vraiment sur l'équipe, le budget est sur la table, en fait, quoi. Vraiment, c'est mini start-up. Donc, en sortie, on a un backlog qui a été mis à jour. Et la rétrospective d'itération, que vous connaissez très bien. Donc là, on a eu, finalement, on a fait
En review, on a fait l'inspection et l'adaptation produit. Là, on va faire l'inspection et l'adaptation plus process, équipe, personne. Donc là, on est sur du 3 heures pour un mois. Bon, bah, 1 heure et demie pour 2 semaines. Donc le Scrum Master s'assure que la réunion ait lieu, que tout le monde comprend bien pourquoi on fait cette rétro, qu'est-ce qu'on va en faire. Il apprend évidemment à tout le monde de respecter le time box, mais ce qui est important, c'est que c'est peut-être la seule vraiment réunion où il est là au même niveau que tout le monde. Il est là en participant. Il n'est pas là en facilitateur. Ça, c'est assez important. C'est-à-dire que c'est un peu la réunion où là, il va arriver à dire bah, « voilà tout ce que j'ai vu ». Vous, vous aviez le nez dans le guidon. Voilà ce que j'ai vu. Voilà peut-être ce qui serait pertinent. Et donc forcément, c'est pas lui qui la facilite, puisque dès lors qu'on, enfin, faut être neutre pour faciliter. Voilà. Donc bon, bah, on a tout dit. Hein. Qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, comment se passent les relations entre les gens, les process, les outils. Et du coup, forcément, bah, on se crée un plan pour s'améliorer. Et un point aussi souvent négligé, c'est que normalement le definition of done devrait être révisé à chaque rétro. À chaque rétro, on devrait se dire, est-ce qu'il est pertinent? Est-ce qu'il y a des choses en trop? Est-ce que maintenant on va augmenter notre niveau d'exigence, rajouter d'autres choses? C'est souvent, enfin, c'est une action de rétro classique aussi. Hein. Il nous manquait une doc, action de rétro, rajouter, écrire la doc dans le DOD. Voilà, après, évidemment, il faut le respecter, mais c'est, ça, on le suppose que c'est le cas. Et donc c'est à l'équipe de Scrum d'implémenter les améliorations. Donc là, on a un petit topo sur l'amélioration continue. C'est-à-dire que en soi, on n'est pas obligé de faire ce travail uniquement en rétro. C'est juste qu'au moins, cette rétro donne une opportunité formelle pour inspecter et adapter. Les artefacts Scrum. Donc on va voir donc les différents éléments donc qui sont clés dans cette notion de transparence, d'inspection, d'adaptation. Donc le Product Backlog. Donc une liste ordonnée de choses à faire ou de ce qu'on voudrait plutôt. Il est jamais complet. Il va être priorisé et plus ou moins détaillé. Cette idée-là de plus les choses qui sont prioritaires, il faut les détailler plus parce que c'est potentiellement ce qu'on va faire. Mais à l'inverse, ce qui est moins prioritaire, les détailler, ben, c'est du temps perdu en fait. Alors, c'est potentiellement du temps perdu parce que c'est peut-être une feature qu'on ne fera jamais, exactement. Donc normalement, voilà, le bon product backlog va être plus on va être en haut, plus il va être détaillé. Donc les requirements, les besoins changent en permanence. Le product backlog, c'est vraiment un artefact vivant. C'est dès lors qu'on a figé les choses, ben, pourquoi on fait du Scrum. On peut avoir plusieurs équipes Scrum qui travaillent sur le même produit. Donc du coup, on peut avoir un seul product backlog qui synchronise un peu tout le monde, etc. Et ensuite, du coup, bah, on attribue le travail entre les différents groupes. Donc quand on fait le refinement, justement, bah, on va détailler, on va estimer, on va comprendre, on va creuser. Donc normalement, pas plus de 10% de la capacité de l'équipe de développement. Mais à tout moment, le product owner peut mettre à jour son backlog. Donc c'est l'équipe de développement qui est responsable de toutes les estimations. Le product owner, il a une influence dans le sens où il aide l'équipe à bien comprendre le besoin et il aide l'équipe à choisir les compromis. Parce qu'effectivement, dès lors qu'un choix technique a des conséquences sur le fonctionnel, bah, le PO, on le met dans la boucle. Mais c'est toujours la personne qui fait le travail qui tient l'estimation finale. On revient sur la notion... De cochon et de poulet. Et alors, à tout moment, on doit être capable de dire où on en est par rapport au but. Typiquement, un burn-up marche très bien pour ça. On va pouvoir voir la quantité de travail qu'on accumule et celle qu'on avale. Et quand les deux courbes se croisent, bah, c'est la date d'atterrissage. Bon, c'est une méthode parmi d'autres, il y en a plusieurs. Mais voilà, mais en tout cas, on a ça. Hein. On a Scrum, on est normalement sur du... On livre à un moment, il y a une fin au projet normalement. Donc cette fin, bah, on la garde en tête. C'est aussi ça qui va nous permettre de déscoper des choses. Donc le backlog d'itération, bah, du coup, c'est le haut du backlog qu'on a pris et qu'on met dans l'itération. C'est ce que normalement, en fin d'itération, on a transformé donc, en incrément. Le bonus du produit qui tourne et qui est donné.
Donc il doit être visible à tout le monde dans l'équipe de développement et vraiment lié du coup à l'objectif d'itération. Donc bon, voilà. Donc ça doit être compris par l'équipe de développement. Bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Donc là encore, on a la progression dans l'itération, typiquement avec un burn-down. Le but, c'est de voir comment on se situe, quoi. Donc l'incrément, bon, on l'a utilisé plein de fois. C'est concrètement ce qu'on a en plus, ce qu'on pourrait livrer, ce qui est done. La transparence des artefacts, donc toujours clé. Donc le Scrum Master travaille avec le Product Owner, l'équipe de développement, pour que tout le monde comprenne bien, que ce soit transparent, etc. Et donc dans ça, on a aussi donc, le Definition of Done, ce que je disais au début. Donc c'est un élément de transparence clé aussi. Parce qu'effectivement, on dit clairement comment on est... qu'est-ce que c'est done? Qu'est-ce que c'est done? Et du coup, qu'est-ce qui dit ce qui passe à incrément? De l'incrément, qui du coup part en prod. Donc ça, c'est un élément de transparence. On n'imagine pas forcément, mais si. Et donc lorsque l'équipe gagne en maturité, on s'attend à ce que son definition of done augmente en scope, en fait. Prenne de plus en plus de choses. Voilà, au début, on dit, ouais, il faut que la feature marche. Après, on dit, il faut qu'il y ait des tests unitaires. Puis après, on dit, il faut que le test unitaire, on a un coverage 80%. Et puis, et ainsi de suite. À chaque fois, on va de plus en plus loin. Et voilà, et on arrive sur la dernière note qui nous dit juste que si vous faites exactement ce qui est dans ce bouquin, c'est Scrum. Si vous faites un seul truc différent, c'est pas Scrum. Alors pourrissez pas notre marque. Voilà, c'est un peu ça. Qui n'est pas forcément un problème de s'éloigner de Scrum, mais encore une fois, quand on démarre, le faire vraiment by the book, je pense que c'est bien parce qu'on va avoir une tendance naturelle à se donner des bonnes excuses en fait. Et adapter, pas parce qu'on a une bonne raison, juste parce que on voit pas bien comment faire, ou machin, ou etc. Donc pour les mauvaises raisons. Après, quand on le fait déjà bien, et qu'on voit que ça coince parce qu'on l'a vécu et pas parce qu'on l'a supposé, voilà, là on est déjà plus dans le contexte et dans l'empirisme, on adapte, c'est normal. Et je pense qu'une équipe mature, au bout d'un moment, va naturellement s'éloigner de Scrum pour plein de raisons, pour l'adapter à son contexte en fait. Mais voilà. Et donc là, je vérifie juste que... Bon, bah après, il y a des merci, coucou. Et voilà. Très bien, merci.